Esperluette. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Terre intérieure. Je suis Myriam Mendy, professeure de Kundalini Yoga. Je donne des cours de yoga du côté d'Avignon et je vous propose tous les mois sur Esperluette des pauses méditation. Ce mois-ci, je vous ai enregistré un exercice de relaxation allongé pour relâcher complètement les tensions. Dès l'instant où nous nous réveillons le matin et posons le pied par terre, nous nous mettons en tension, sans même d'ailleurs en avoir conscience. Tension physique, nerveuse ou même psychique. C'est seulement lorsque l'on fait l'exercice de relaxation profonde que l'on se rend compte que nous n'étions pas du tout détendus. Se détendre est essentiel pour restaurer votre système nerveux. Lors d'une séance de Kundalini Yoga, la relaxation fait partie intégrante de l'enchaînement. Pour laisser l'énergie régénérer les parties du corps qui en ont besoin. Elle permet de ralentir le rythme cardiaque, de diminuer le flot des pensées et bien évidemment de détendre les muscles. Envie d'essayer ? Installez-vous confortablement, allongé, dans des habits qui ne vous servent pas et laissez-vous guider. Allongez-vous sur votre dos, les bras le long du corps, paumes tournées vers le haut, jambes légèrement écartées. Fermez vos yeux. Conscience à votre respiration. Inspirez et expirez uniquement par le nez. Allongez votre inspire et allongez votre expire. Augmentez l'amplitude de votre respiration qui part de votre ventre jusque sous les clavicules. Et à l'expire, sentez vos épaules se relâcher, votre nombril rentrer légèrement à l'intérieur. Et continuez ce cycle. Si des pensées vous traversent l'esprit, laissez faire. Avec l'aide de votre expire, doucement, calmement, poussez ces pensées en dehors de votre tête, comme des nuages dans le ciel que vous chassez en soufflant dessus. Si elles reviennent, ne vous jugez pas. Patiemment profitez de votre expire pour les évacuer, autant de fois qu'il est nécessaire. Il n'y a pas de résultat à atteindre, juste accueillir ce qui se passe. Acceptez simplement ce qui se présente à vous dans cet instant précis et accompagnez-le de votre respiration. Essayez d'allonger de plus en plus votre souffle. Et sur chaque expiration, ressentez le relâchement, petit à petit. Puis amenez votre attention au niveau de votre tête. Inspirez, faites-le plein d'énergie nouvelle. Expirez, sentez cette énergie se diffuser à l'intérieur de votre crâne. Sentez que sur chaque expire, cette énergie nouvelle se disperse dans vos neurones, au niveau de votre front. Jusque dans vos sinus. À
À l'inspire, sentez une vague de fraîcheur jusqu'à l'arrière de votre crâne. À l'expire, laissez-la se propager. Quand vous expirez, relâchez toutes les tensions de votre visage. Laissez aller les muscles. Détendez vos joues. Desserrez vos mâchoires. Lissez votre front. Relâchez les paupières. Puis canalisez votre respiration et amenez-la au niveau de votre nuque. Sur chaque nouvelle expire, sentez vos épaules se relâcher totalement. Comme une vague de fraîcheur qui monte à l'inspire, diffusez cette énergie dans tout le haut de votre corps. Et amenez cette énergie jusqu'au bout de vos doigts. Sur chaque nouvelle expire, faites descendre ce courant de détente le long de vos bras. Vos coudes se déverrouillent. Vos avant-bras se relâchent. Vos poignets. Vos mains. Vos doigts. Vos tensions se relâchent et vous sentez tout le haut de votre corps de plus en plus léger. Sur chaque nouvelle respiration, sentez votre dos s'enfoncer un petit peu plus dans le sol, vertèbre après vertèbre. Votre nuque s'abandonne. Vos dorsales se relaxent. Vos lombaires se détendent jusqu'au sacrum. Amenez votre respiration dans l'interstice entre vos vertèbres. Sentez que sur chaque expiration, vous relâchez un peu plus les tensions de votre colonne vertébrale. Puis amenez votre expire au niveau de votre ventre. Sentez que votre ventre se remplit d'une énergie subtile à l'inspire. Expirez, détendez complètement le ventre et amenez cette énergie dans tout votre bassin. Sentez vos hanches s'ouvrir, vos muscles fessiers se relâchent complètement. Laissez aller toute tension. Puis amenez votre respiration jusque dans vos cuisses. Sentez sur l'expire vos cuisses se ramollir. Au fur et à mesure, ce courant de détente se propage dans vos jambes jusqu'au bout de vos pieds. Vos genoux se déverrouillent, vos mollets se relaxent complètement. Vos talons s'enfoncent dans le sol. Vos pieds, vos orteils sont totalement relâchés. Tout votre corps est désormais parfaitement détendu. Sur chaque respiration, sentez la fluidité du souffle. Et observez comme l'énergie circule dans votre corps. Laissez-la se poser là où elle doit se poser. Régénérez les endroits de votre corps qui en ont besoin.
juste accueillez. Puis vous allez prendre une grande inspiration pour sortir de cette relaxation. Tout en gardant vos yeux fermés, commencez à bouger très doucement les extrémités de votre corps, vos doigts, vos orteils, vos poignets, vos chevilles. Puis étirez-vous comme votre corps vous le demande. Sentez avec délice cette nouvelle énergie en vous. Amenez vos bras derrière votre tête, tendez-les au maximum et en même temps étirez vos jambes. Amenez vos genoux sur la poitrine, enserrez-les avec vos bras et faites quelques oscillations de gauche à droite, d'avant, en arrière, pour masser le bas de votre dos. Puis revenez vous asseoir et prenez quelques secondes pour savourer cet état de calme, de détente. Observez la fluidité de votre respiration et l'apaisement de votre mental. Prenez conscience dans votre journée des nombreux moments où votre corps est en tension. À tout moment, connectez votre respiration et servez-vous de votre souffle pour détendre les zones qui n'ont pas besoin d'être engagées. Relâchez le corps là où il n'a pas besoin d'être en tension. C'est garder son énergie vitale pour les moments nécessaires et soutenir son système nerveux. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le Kundalini Yoga, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Terre intérieure. Esper Luette. Esper Luette.